Salut à tous et bienvenue sur Fair Play en compagnie d'Andy et de Farrell. Aujourd'hui, on va discuter des favoris pour le Ballon d'Or 2024. Trois noms se démarquent cette année. On a Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Salut tout le monde. Oui, effectivement, ces trois joueurs ont été incroyables cette saison. Voyons ensemble qui a le plus de chances de remporter ce prestigieux prix. Commençons par Kylian Mbappé. Encore une fois, il a été impressionnant cette saison. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Ajoutez les statistiques pertinentes comme les buts et les passes décisives. Oui, Mbappé continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs attaquants au monde. Sa vitesse, sa technique et son sens du but sont incroyables. En plus, il a été décisif dans les moments clés, notamment en Ligue des Champions. Il ne faut pas aussi oublier, on dit qu'il a brillé avec l'équipe nationale de France. Son impact lors des compétitions internationales ne peut pas être ignoré. Il a tout pour lui, talent, performance, reconnaissance internationale. Parlons maintenant de Vinicius Junior cette saison. Il a vraiment pris son envol. Il a vraiment pris son envol. Il a été crucial pour le Real Madrid, surtout dans des grands matchs. Ses dribbles, sa créativité et sa capacité à changer le cours des matchs sont impressionnants en fait. Vinicius a marqué la saison avec un titre à l'appui, la Liga, et un autre titre en Europe, la Ligue des Champions. C'est vraiment un grand champion. Vinicius a progressé. Année après année, c'est vraiment une progression fulgurante. Oui, il ne faut pas aussi oublier qu'il a amélioré ses statistiques. Vinicius a montré qu'il est capable de porter son équipe, même lors des matchs les plus difficiles. Sa progression est remarquable cette saison. Et son influence ne se limite pas seulement aux buts et aux passes décisives. Il crée tellement d'opportunités pour ses coéquipiers et fait peur aux défenses adverses. C'est un joueur complet en un mot, qui a vraiment tellement progressé. Parce que nous savons, le départ des matchs de Vinicius, avec le Real Madrid, c'était pas ça. Et après quelques années, voilà, Florentino Pérez a eu raison de miser sur lui. Et enfin, Jude Bellingham. À seulement 20 ans, il est déjà l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Cette saison, il a été phénoménal avec le Real Madrid et l'équipe nationale d'Angleterre. Absolument. Bellingham a une maturité incroyable pour son âge. C'est vraiment remarquable. Il est capable de tout faire. Défendre, attaquer, créer des occasions et marquer. Ses performances cette saison ont été tout simplement exceptionnelles pour une première saison en Espagne. Ses statistiques sont vraiment impressionnantes pour un milieu de terrain. Imagine 19 buts en 28 matchs en Liga. Et ce qui est encore plus impressionnant avec lui, c'est sa constante. Il performe à un niveau élevé match après match. Alors, qui mérite le ballon d'or? C'est une question difficile, complexe. Et voilà, Mbappé a l'expérience et les chiffres. Vinicius a la créativité et l'impact dans les grands matchs. Et Bellingham a la polyvalence et la constance. Donc, voilà. Oui, on dit, tu as tout à fait raison. Chacun de ces joueurs a des arguments solides pour remporter ce ballon d'or cette année. Personnellement, je pencherais pour Bellingham. Mais attendons voir comment ça va se passer pour lui durant l'Euro avec l'équipe d'Angleterre. Pour ma part, sans hésitation, je choisirais Vinicius. Mais peu importe qui gagne, ces trois joueurs ont déjà marqué la saison de leur empreinte. Parce que Vinicius a porté le Real, surtout dans des moments clés. Et il a été vraiment crucial durant les matchs clés du Real Madrid. Vraiment, c'est lui le seul détonateur qui pouvait déclencher une solution par rapport à tous les matchs compliqués du Real Madrid. Par ses dribbles, sa percussion, sa vitesse et sa créativité. Donc, je sors Vinicius du lot pour ma part. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui mérite de remporter ce Ballon d'Or 2024? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus de contenu de foot. À bientôt, c'est Fair Play.